with a bit oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Zantar comme d'habitude. Oh. Bon, aujourd'hui, on va faire, toujours avec ton gros et toi. Aujourd'hui, on va faire un concept qui a beaucoup été fait sur YouTube et un concept qui peut être sympa et qui peut ne pas être sympa pour d'autres YouTubeurs. Pour cette vidéo, je vous demanderai, n'oubliez pas vraiment le petit like, le petit abonnement et le petit partage, la mif, on compte sur vous la team. Et bah madame, commencez du coup vos questions. Live mixeur en description à la famille si vous vous faites chier. Voilà, je sais que là, beaucoup de gens sont chez eux, enfermés, ils se font chier. Confinement quoi. Voilà, c'est le confinement, donc n'hésitez pas, il y a mon live. Je live tous les soirs jusqu'à 4-5 heures du matin. Des fois j'abuse, je vais jusqu'à 6 heures comme hier, j'avoue. Mais voilà, si vous vous faites chier, ça se passe sur mixeur, c'est en description. Ou sinon vous avez aussi ma chaîne musique. Allez, bref, let's go madame. Avant de commencer, on aime tout le monde. C'est pas parce qu'on va tuer les gens. J'aime tout le monde, je m'en bats les cacahuètes des gens, je veux dire, je déteste aucun youtubeur, je suis pas en mode lui je le déteste parce qu'il fait ce contenu, lui je le déteste parce qu'il fait ce contenu, lui je déteste parce que j'aime pas sa gueule, je m'en bats les couilles moi en fait, je me prends pas la tête avec les gens. Voilà, c'est tout, je suis dans mon coin, mais bref. En gros le concept c'est tuer pour la vie ou pour un soir. Alors, Thibaut InShape, Cyril et Amixem. Qui pour une nuit, qui pour la vie, qui tu tues? Putain, moi, je réponds moi. J'aime bien les trois personnes. Bah moi je vais me baser par rapport au contenu, mes préférences, donc ce que je regarde le plus. Donc je dirais Cyril, j'ai regardé mais je regarde moins, enfin avant quand je regardais sur YouTube, parce que je ne sors plus trop sur YouTube. Donc je dirais je tue Cyril, c'est vrai qu'entre Amixem et Thibaut InShape c'est chaud. Les deux je regardais leur contenu quand je regardais. Alors moi j'ai une idée, Thibaut InShape pour la vie, Cyril pour un jour et Amixem... Poum. Mais j'aime beaucoup Amixem aussi. Ouais, moi je pense que ce sera même, sauf que c'est Cyril que je tue. J'ai plus Amixem pour... J'ai déjà vu Thibaut InShape dans la vraie vie, j'ai parlé avec lui. J'ai vu Cyril dans la vraie vie, j'ai parlé avec lui. J'ai vu Amixem une fois, il m'a vu, il m'a dit bonjour. Voilà, il a été respectueux, c'est pour ça que je le tue avec regret. Ok. Andy, Sananas et Oria. Ah, je connais vite fait, hein, je vais pas rentrer dans les détails parce que je connais rapidement les filles. Andy pour la vie, Sananas pour un soir et Oria, désolé. Moi ouais, c'est pareil, enfin Oria, elle saute, désolé. Moi aussi Sananas pour la vie. Moi. Ouais. Ouais. J'aime bien psychologiquement comme elles ont l'air d'être psychologiquement. Après c'est sur internet, je suis youtubeur, je connais un peu ça aussi, mais déjà ce que quelqu'un peut dégager un petit peu sur ses vidéos, des fois même sur ses lives, on ressent quand même. Sananas j'aime bien, elle a de la discussion, elle est sensée. Elle est... Enjoy Phoenix. Léna Situation, Marion Caméléon. Alors, Enjoy Phoenix pour la vie. En plus, tu es pas loin, Enjoy, t'es à Lyon, je suis à Grenoble. Et après, les autres, en fait, je connais pas. Léna Situation, tu connais pas? Non, Léna Situation, je connais. Et ça je me dit un truc. Ça serait elle que moi que je prends. C'est celle pour qui accepte la frite. Pour un jour. Et tu vas rien faire du tout, Seb. Marion Caméléon, ouais. C'est une youtubeuse make-up, elle fait des maquillages de folie. J'ai déjà peut-être dû voir. Ah, ça peut faire des bons TikTok. T'as montré. Celle-là, c'est celle qui fait des ouf là. Celle-là, si je la prends pour la vie, je peux faire plein de vidéos fake. Oh, je me suis fait casser la gueule. Prince, Le Blédard ou Ibra TV. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil. Bah, déjà, Prince pour la vie. Ouais, bah oui. Déjà. Ibra, j'ai bien parlé avec lui, j'ai même vu IRL. J'aime beaucoup Ibra, mais Anas pour un jour et Ibra. Cric-poum-poum. Non, pas cric-cric-poum. Ah, t'as pas le choix. Hein. Cric-cric-poum, ouais. Juste cric-cric. Sans le poum. Et toi? Pareil que Abdel, mais ouais, un contre-cœur aussi parce que. Putain, fier. En fait, j'aime bien les youtubeurs, on a tous des mentalités différentes, on est tous différents, mais de base, y'a pas vraiment de bâtard, tu vois. Le Rire Jaune, Seb Lafrite et Squeezie. Squeezie, j'ai du mal un peu parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas... comment dire? Quand on le voit par exemple à l'appareil optique qu'on a déjà pu le voir, il n'a pas l'air très accessible. Et je dirais pour la puissance qu'il a et pour la personne, plutôt je dirais Seb Lafrite pour la vie. Et après c'est qui? Le Rire Jaune et Squeezie. Le Rire Jaune, ça a l'air d'être le mec genre... un putain de mec bon délire. Ouais. Mais genre, j'en suis sûr que Lucas, au final, si...
Si tu rentres un peu dans son cercle, dans son cercle, c'est, que c'est, quelqu'un c'est vraiment un gars au top, je pense. Du coup, Seb Lafrite pour la vie. Seb Lafrite pour la vie. Le rire jaune bisou. Le rire jaune bisou. Pour la nuit. Pour la nuit. Et Squeezie, cric cric boom, ça me fait chier aussi quand même. Et toi, pareil? Pareil, ouais. Ok. Là, ça va être très compliqué. Il y a deux personnes, ça va être très compliqué pour Abdel parce qu'il aime beaucoup les deux. Non, arrête, faut pas. Cyprien, Michou et Inox Tag. Alors, déjà, Cyprien, j'ai vu ton dernier live là. Hein? T'as oublié qu'avant, frérot, tu faisais des podcasts. Vous aussi, vous avez ce style de prof. Hein? T'as oublié, frère, que t'as commencé toi aussi par la galère et par la hesse. Hein? Non, non, sérieusement, Cyprien, j'aime beaucoup. On a tous. Il apparaît non dans une de ses dernières vidéos. Ouais. Non, 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 franchement, j'aime bien la personne. Des fois, le youtubeur, j'ai l'impression que. Après, ça, c'est pour beaucoup de gros youtubeurs, des fois, et on a l'impression que leur contenu, c'est vraiment. Et le contenu des autres, c'est un peu genre de la grosse merde, tu vois. Et ça, c'est ce qui me dérange un peu, des fois. Donc, moi, j'aime bien les gens, en fait, posés, tu vois, zépo, tu vois, calme, qui respectent ce que chacun fait, tu vois. Mm. Et. Par contre, j'aime beaucoup Cyprien la personne, mais des fois, le youtubeur en question, j'ai un peu du mal. Je dirais du coup, Michou. Pour la vie Attends, il y avait qui? Inox? Ouais. Ah non, vous êtes chiant là par contre. Parce que Michou, je l'aime bien. Et Inox, je l'aime bien aussi. C'est mes petits chouchous, ils viennent me voir à chaque fois à la Paris Games Week, ils veulent leur bagarre les deux contre moi à chaque fois. J'aime plus un petit peu la façon de commenter de Michou. Ouais. Mais j'aime plus la personne, ouais, ça, on va dire, de Inox aussi. Ouais. Il a l'air un peu plus foufou, un peu plus comme moi. Donc, vu que je choisis les deux, c'est par amitié et pas par pour faire du contenu. Sinon, j'aurais dit, ah bah, du coup, Michou pour la vie. Non, tu vois. Donc, je dis Inox pour la vie, pour la mentalité, pour les personnes qu'on est. Et je dirais Michou pour un jour. Et du coup, c'était qui? Poum, Cyprien. Cyprien. Ouais. Ouais. Par contre, toi aussi? Ouais. Chéra, Gloria et Romy. Ouais, mais il s'agit aussi de personnes. Les personnes, comment après, je les vois. Après, tu les connais pas forcément, donc c'est à toi. Non, mais les personnes, comment je les vois. Moi, je parle pas de physique, là. Moi, je te parle de personnalité aussi. Après, tu peux prendre le physique aussi. Hein, c'est. Eh ben, je dirais Chéra en premier. Pour la vie. Ouais. J'aime beaucoup Chéra. Parce que. Ça me gêne pas. Elle est assez jolie. Et ça a l'air d'être quelqu'un d'assez cool, Raoul, tu vois. On l'a rencontré en vrai aussi, hein, à la Vidéo City. Oui, elle, alors, en premier. En deuxième, Romy. Et tu vas rien faire du tout, Vortex, si je la prends pour un jour. Il va me dire, ah ouais, vas-y, allume ton Call of Duty, on va voir. sans déconner, après, je dirais Gloria. Alors, Juju Fit Cat, Natou et Sandria. Sandria, je connais pas. Ben voilà, donc tu sais qui tu tues déjà. Pourtant, ça doit être une, à mon avis, ça doit être une grosse youtubeuse. Non c'est une, ouais, ouais, elle habite pas en France et tout. Mais moi, c'est Natou pour la vie direct. Oui, ça, j'en étais direct, moi. Moi, franchement, j'aime beaucoup Juju Fit Cat, mais Natou. Natou, elle est excellente. Bah, pareil, on l'a rencontrée à la Vidéo City, elle est excellente. Je vous l'ai déjà dit en plus, moi, la youtubeuse que je rêve de rencontrer, enfin que j'ai envie de rencontrer parce qu'elle a l'air d'être c'est pas, de fou. C'est pas Natou. C'est pas une mauvaise personne qui envoie les gens chier. Mmh. Voilà. Et elle était pas avec un youtubeur Oui, Kemar. Kemar, qui a d'ailleurs, à la Paris Games Week, envoyé chier Momo et Oussama quand ils sont venus lui demander une photo. Ah ouais oui, il a envoyé, c'est lui, c'est lui qui l'a envoyé. Voilà. Ah voilà. Bah, elle est plus avec. Oussama, il a eu la mort. Moi, c'est Natou. Natou pour la vie, Juju Fit Cat. Juju Fit Cat pour un jour. Désolé Thibaut. Et tu vas rien faire. La veine, elle est là. Et du coup. Sandria. Et Sandria. Et toi aussi? Pareil. Ok. Jerem Star, Madiba et Prime. T'es chiant. Toi, je sais que t'aimes bien Prime et Madiba. Mais moi, je pense que tu prendrais Prime parce que Prime, tu l'as vu et réel. Prime, je vous dis un truc. C'est le mec que vous avez l'impression qu'il est prétentieux. Hautain. Vous avez l'impression que c'est un gros bâtard. Très gentil. C'est un rebeu qui peut être très méchant. Mais au fond de lui, c'est un rebeu au cœur fragile. Moi, je le sais, moi. Il est très gentil. Il nous avait vu une fois à la Paris Games Week avec lui. Il nous avait serré dans ses bras. C'est quelqu'un de très gentil, Prime. Et Madiba aussi. Mais Prime, le truc c'est que si je traîne avec lui, je vais finir par devenir un fou aussi parce que
il se dehors beaucoup et je vais se dehors beaucoup aussi et je vais péter un câble. Mais je dirais quand même, franchement, Prime. Pour la vie. Ouais. Pour la vie. Avec Madiba, ça collait un peu, mais Madiba pour un jour. Et Jerem Star. Jerem Star, cric cric poum, désolé. Toi aussi. Pareil. Ça n'a pas l'air de quelqu'un de méchant, mais cric cric poum. Emma K-Cup. Cupcake. K-Cup. Ah, K-Cup, pardon. Cupcake. Bon, là, je suis sûr que c'était ça, non. Je ne suis pas jolie et Caroline. Déjà, je suis pas jolie, elle le dit peut-être, peut-être c'est vrai. Non, des autres meufs qui marquent, je suis pas jolie, souvent. Soit elle est vraiment pas jolie et elle met ça en mode je suis quelqu'un d'ironique. Soit c'est une fraîcheur. Et je me taille. Soit c'est une fraîcheur des îles et elle fait ça vraiment en mode j'ai besoin quand même que vous me dites que je suis fraîche, t'as vu. Donc. Toi, tu connais pas, je ne suis pas jolie. Et l'autre, c'est quoi? C'est Emma. K-Cup et Caroline. Caroline que, qui est la cousine de quelqu'un qu'on connaît. Emma. Pour la vie. Pour la vie. Caroline. Pour une nuit. Pour une nuit. Et troisième. Je ne suis pas jolie. Je ne suis pas jolie. Cric cric poum. Rémi Gaillard, Norman et Gotaga. Gotaga, le truc, c'est que si je dis que lui, non, il va me follow. Non, Gotaga, t'as vu, on en parlait ensemble. C'est un mec très gentil. Très gentil. Ouais. Très sympa et tout. C'est vrai. Rémi Gaillard, en fait, là, tu m'as niqué la gueule, quoi. Genre, Norman, c'est un putain de mec ouvert d'esprit aussi. Et jamais été dans des cercles, dans des trucs comme ça. Ça a l'air d'être un mec. Ouais. Il fait des vidéos avec des rebelles, il fait des vidéos avec tout le monde. Tu sais, c'est un mec non prise de tête, tu vois. Et genre. C'est vrai que c'est chaud, là. Ah, moi, je pense. Rémi Gaillard, j'aime beaucoup aussi, parce qu'il aime beaucoup les chiens, j'aime beaucoup les animaux. Ouais. Moi, j'aurais dit. Pour toi, hein, moi, j'aurais dit Gotaga pour la vie, Norman pour une nuit, Rémi Gaillard qui poum. Ouais. Moi, j'ai réagi comme ça quand j'ai fait. Oui. Gotaga, ouais, c'est sûr, mais après, c'est entre Rémi Gaillard et. Ça me fait chier. Norman, c'est chaud. Norman, je le mets deuxième quand même. Parce que j'ai beaucoup suivi Norman. La dernière, Zantaru Sama ou Momo. Ah non, non, ça c'est bâtard. Ça. T'as pas le droit. Ça. Allez, je sors. Et tu réponds. Mon frère pour la vie. Ouais, ouais. Moi, je pense Momo pour la vie. Ouais. Zantaru pour une nuit. Et Kikmo Osama. C'est pas moi qui l'a dit. Mais je dis ce que tu penses, ce que tu aurais dit. Parce que lui, il est beaucoup avec moi, on s'est beaucoup attaché. Il m'aide là dans mes projets. Malou. Mais tu me fais chier, pas bien. Tu peux pas. Ah, c'était pas ma question, je c'est Zantar qui a voulu la mettre. Oh, c'est un gros bâtard. Je peux pas faire une nuit avec les deux. Ah bah non. T'es obligé d'en tuer un. Hein. Pas en tuer, en blessé. Non, en tuer. Non, en blessé. Non. On se rend. Et après. Et après. Zantar. C'est bon, Zantar! Momo pour la vie. Ouais. Bah, il a dit c'est mon sang, donc bah oui. Voilà. Momo pour la vie, il a dit. Oussama pour une nuit, Zantar. J'y crois pas. Il a sait lui-même. Hein. Non, il a dit Momo pour la vie, Zantar pour une nuit, et Oussama, boum. Mirza, Nala, Orla. Moi, je connais déjà le classement. Alors là, Nala pour la vie, Orla pour la vie. Nala, cric cric boum, allez. Non, elle a mal pris alors que tu l'as choisi en première. Ma fille, pour la vie, ma fille. Pour la vie, mon bébé. Ah, parce que je l'ai élevé, c'est moi qui l'ai élevé dans mes bras. Et puis Orla, parce que Orla, je pense que c'est parce qu'elle est encore très jeune et Mirza, ouais. Elle est déjà assez âgée. Et Mirza, de toute façon, elle me déteste. Alors, quand je rentre dans mon lit, Mirza, il faut ça. Attends, et toi? Moi, j'en ai. Et toi? Hark. Et toi? Et toi, attends, et toi? Orla, tout ça? Ouais. Nala, pour la vie, Mirza, pour une nuit, et Orla, poum. Yeux bleus. Non mais Mirza, c'est Mirza. Il faut savoir que Mirza c'est mon chien. Ouais, Mirza c'est ce chien. Elle a les yeux bleus. Faut savoir que moi c'est Nala mon chien. Moi j'en ai une halk pour toi, pour celle-là. On est pas obligé de la mettre dans la vidéo. Mais j'en ai une. Amel, ta grand-mère, ta mère. Amel elle a tué. Ta grand-mère. Ah non mais ça va être. Moi je suis honnête avec toi. Mimi pour la vie, sa maman pour une nuit et Amel cric cric boum. Ça ou pas? On dit que le paradis se trouve sous les pieds de sa mère, mais je pense que avant qu'il se trouve sur le pied de sa mère, il se trouve d'abord sous le pied de la mère. La mère de ta mère, ouais. Tu vois? C'est donc, Mimi, c'est ça. Donc, moi, celle qui m'a élevé, celle qui m'a ramené en France, celle qui m'a supporté, celle qui nous a sorti de la merde, que ce soit moi ou ma mère, c'est ma grand-mère. Donc, ma grand-mère pour la vie, ma mère pour une nuit,
au restaurant ensemble. C'est bien, c'est bien. Et Amel, hein. T'as grandi avec Amel, c'est ta sœur. Ah ouais, c'est ta compagne. Boum. Moi j'en ai une. J'en ai une. Elle est très très. Et de toute façon, même ma cousine a dit pareil. Ma mère aurait dit ça. Ma ouais, mais j'aurais compris, hein. Grand-mère pour la vie, sa mère pour une nuit, ouais, et moi, crac crac boum. Oh, j'en ai une. Et j'aurais accepté. Pas moi, ma Inès. Ah. Moi, je sais ce que tu vas faire. Moi, je sais qu'il va dire Momo pour la vie. Non, il va dire Nona pour la vie. Nona pour la vie. Quoi? Momo pour quoi une nuit. Et Inès. Vraiment à contre-cœur. Là, je suis en train de parler de mes sœurs. Quand même. S'il y a des youtubeurs et des youtubeuses, ne me dites pas ouais, mais c'est facile, ça attaque à des youtubeurs. Là, ils viennent de me faire faire ma mère, ma grand-mère, ma cousine avec laquelle je suis né, et ils viennent de faire mes petites bêtes, et ils viennent là de, carrément de faire mes frères et sœurs. Non, t'as Speedy, Rio ou Queen. Voilà, Speedy, après Rio et après Queen. Tu l'as tué, Queen. Quoi? Mais c'est vrai, c'est passé la fin, frère. Quoi? Bah, je garde mon Speedy, ma tortue algérienne. Ouais, mais on bute Rio. Là. Bref, la famille, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage. Alors, sachez-le, je n'ai rien contre aucun youtubeur. J'ai juste, voilà, des fois j'ai du mal un peu avec certains youtubeurs parce que j'ai l'impression que c'est des cercles un peu restreints ou en mode, tu vois. Mais j'accuse personne de rien du tout. Mais voilà, chacun après fait son petit bout de chemin. Mais je sais pas, moi, je fais pas de différence. Voilà. Je fais pas de différence, voilà. Bref, en tout cas, la famille, prenez soin de vous et de la Mifa. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.